Bonsoir. Je suis très heureux et très fier de me trouver parmi vous ce soir pour encore une fois vous emmener dans l'univers de mon album Double Face. Alors évidemment, je ne suis pas très original parce que dans cette période d'Halloween, venir sur scène avec un fantôme, j'aimerais que... Je voudrais donc ce soir vous donner quelques extraits d'un album qui s'appelle Double Face. Et pour cela, je ne suis pas seul. Il y a plusieurs musiciens sur scène. Je suis là. Mais il y a aussi mon fantôme, dans lequel, en fait, j'ai reprogrammé quelques parties de mon album. Vous connaissez tous, lorsqu'on est entre professionnels, vous connaissez tous les Pro Tools, les playbacks, toutes les sortes de jeux. Mon fantôme va jouer une partie, il va jouer beaucoup de choses, mais je vais jouer avec lui d'autres choses. Mon album s'appelle Double Face, si vous voulez, en anglais, si vous voulez, parce qu'il y a deux petits copies. On va commencer par une petite son, et pour cela, ce que je fais devant vous, c'est que j'appelle en fait le programme. Voilà, il me dit, il est d'accord, je lui dis bien sûr, je suis d'accord. Et le premier titre s'appelle David Soul. Mon album étant basé sur un concept de dualité, David Soul raconte l'histoire du diable qui, à mon avis, avait une âme. Mais comment on peut penser qu'un diable est une âme? Il y a un côté bizarre. Et donc, j'ai essayé de traduire ça par ce titre qui s'appelle donc David Soul. Thank you.
une autre ambiance. Je suis quand même assez fou d'un monsieur qui s'appelle Michael Flatley. Je ne sais pas si vous connaissez ce chorégraphe de génie, qui est le chorégraphe des spectacles de musique irlandaise, de danse irlandaise, Lord of Dance. Et j'ai découvert ce spectacle, et j'adore vraiment l'ambiance qu'il y a dedans, et j'ai découvert la musique irlandaise au travers de ce spectacle-là. Et je voulais faire une musique qui évoquait la musique irlandaise au travers de mon album. La dualité est dans le fait que les danses irlandaises sont extrêmement physiques, si vous avez vu ce genre de spectacle, c'est incroyable, et en même temps il y a une légèreté des danseuses qui est encore une fois incroyable. Donc il y a une dualité entre la force de la chorégraphie et le côté très physique, et la chorégraphie je connais très bien parce que j'ai deux de mes filles qui font de la danse, et je sais ce que ça représente. Donc je voulais traduire cette ambiance au travers d'un titre qui s'appelle Gaelic. Et pour cela, en fait, j'ai utilisé des flûtes irlandaises avec un peu de doigts, comme je vais pas le nommer ici, mais comme certaines personnes qui jouent. Donc je me suis servi de cette flûte irlandaise, et en fait, quand j'ai vu le spectacle de Michael Flatley, j'avais un petit thème qui me trottait dans la tête, qui faisait... Donc, avec une flûte, je vous invite à découvrir l'ambiance de Gaelic. Thank you.
autre chose dans le parcours d'un musicien, vous savez, nous autres, les claviers ou les guitaristes, on a des petits gimmicks dans la tête qui nous poursuivent toute notre vie. Alors, les guitaristes, des fois, c'est une chose de water. Les claviers, d'autre chose, moi, j'ai un petit gimmick qui me... Je le passe partout. Je vous dis, quand on est entre nous, je le vends partout. Je l'ai vendu à au mari d'un parigno, Jean-Paul César. Souvent, je me suis permis de petit gimmick quand même, je l'avoue. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je parle tout petit. Je ah, alors, une demande express. Le véhicule. Alors, on demande que les personnes qui se trouvent en haut, est-ce qu'ils pourraient descendre? Est-ce qu'ils t'entendent? Du tout, vous m'entendez? En haut. Aurore, tu m'entends? Amandine, Frédéric. Ça, c'est ma famille. Monsieur Patrick Ronda. Est-ce que vous voulez descendre? Parce qu'on a un problème, on a peur que en fait, tout le balcon va s'écrouler dans 5 minutes. Donc vous choisissez où vous écroulez, ou vous descendez. Bon, pour ceux qui peuvent descendre, venez ici, on est bien. Sinon c'est Furiani. C'est ça? Je ne sais plus de ce que vous dites. Ah, je vous parlais d'illumination. Le fameux gimmick qui dit. Alors ça, c'est vraiment un truc de musiciens. Je vais vous expliquer. Voilà mon petit gimmick qui me poursuit depuis que je fais du clavier. Qui a reconnu le titre? Perron, Super Nestor. Pas Perron. Non. Non, c'est pas l'air, c'est pas l'air. Ah non, c'est Dave de Curtis Nelson. Dave d'Adrien, exactement. Donc je l'ai placé avec Jean-Michel. J'ai passé. Je l'ai conduit partout ce soir. Donc c'est un truc qui me trotte dans la tête. Exactement. Et donc je vais faire un titre sur l'elfe, qui est ce petit personnage de conte de fées, qui devient folle un petit peu. Et pour moi, ce truc... représentait l'elfe. Donc je voulais faire un titre sur la poésie des contes de fées, parce que dans les contes de fées pour enfants, il y a une histoire, mais derrière il y a aussi quelque chose de beaucoup plus sérieux pour les adultes, que seuls les adultes peuvent comprendre. Et donc j'ai fait un titre qui s'appelle Elf Race, et vous allez entendre le petit gimmick que j'ai placé d'une façon extrêmement sournoise, évidemment, dans le titre. Donc je reçois Elf Race.
Et vous savez, je suis quand même un homme extrêmement chanceux, parce que je vis avec trois femmes. Ça fait rêver, hein. J'ai parfois du mal. Ma femme, déjà, et puis mes deux filles, qui sont là, d'ailleurs. Et encore, je ne compte pas les animaux domestiques que j'ai dans la maison, c'est aussi des femelles. Vous vous rendez compte ce que je dois subir tous les jours. Et la femme représente pour moi la dualité vraiment la plus extraordinaire, parce que déjà, une femme donne la vie, donc c'est déjà quelque chose que nous, pauvres mâles, on ne pourra jamais faire. Et en plus, la femme pour moi, c'est la fin et l'oméga. C'est le début, la fin, c'est tout. Et donc, j'étais dans mon studio, et je regardais les petits légumes, là, les deux filles. Je appelle ça des légumes, mais bon, je ne dis pas comme vous voulez. Et en fait, je voulais faire un titre très simple, justement pour donner le côté féminin. Donc je suis parti sur deux harmonies très très simples. Juste ça, et j'interdis jouer dans le jardin, une petite fois folle. Et j'avais un petit thème qui tournait dans ma tête. Donc, bienvenue dans Woman's Land, dans l'univers des femmes. Thank you.
Et donc pour terminer, un autre triptyque qui s'appelle Vaudou. Vaudou parce que je voulais illustrer encore une fois la dualité, la magie blanche, la magie noire. Donc c'est un titre un peu plus rythmé. Vous allez écouter à la fin du titre, il y a une ligne de base. On entre nous, je l'ai pigé au monsieur qui écrit, on ne sait pas s'il est noir ou gris, il y a des problèmes avec la justice aux États-Unis, c'est des super albums. Donc, et je reconnais que j'ai un peu piqué un thriller, un petit truc à la fin, juste à mettre à l'œil, parce que la magie, c'est aussi thriller, etc. Donc là, vous donnez un titre, c'est Vaudou, avec toujours mon meilleur ami, mon fantôme, qui m'accompagne ce soir. Et je vous souhaite un jour d'avoir ses doigts dans ce. C'est vraiment bien.
remercie encore une fois pour votre accueil. Et pour tous les plus de soi, je veux vous dire que être compositeur, c'est souvent être seul devant un clavier. Ce soir, j'étais pas seul grâce à vous. Merci. Oh, oui.